pratiques numériques, le développement des réseaux sociaux. Ces chiffres datant de 2013, ils sont encore en pleine évolution et en tout cas ne peuvent pas être revus à la baisse. Donc il était vraiment important effectivement d'aborder cette table ronde sur le cyberharcèlement avec donc nos quatre intervenants que je vais vous présenter. Alors de votre côté, droite à gauche, nous avons Monique Darrot, qui est conseillère technique responsable départementale du service social en faveur des élèves de Haute-Garonne. Donc Monique, bonjour, vous faites partie du rectorat? Non, je fais partie de l'inspection académique, c'est pas pareil, je suis département. Ah, je commence bien. Non, mais c'est pas grave, parce que c'est sur le même lieu à Toulouse, le rectorat et l'inspection académique, c'est au même endroit. Voilà, donc je suis moi départementale, et donc au-delà d'être conseillère technique, je suis référente départementale harcèlement pour l'éducation nationale. Voilà. Très bien, merci. Sylvie Brochot, bonjour. Vous êtes donc psychologue spécialisée dans le numérique. C'est ça, exactement. Déjà, je suis ravie d'être là, de pouvoir partager avec le public et puis les personnes qui sont là pour co-construire ensemble autour du cyberharcèlement. Donc oui, je travaille sur le numérique, je fais des interventions auprès des enfants, des ados sur... les impacts positifs du numérique. Je travaille sur le jeu vidéo au cabinet. Enfin, voilà, l'idée, c'est de pouvoir apporter un regard positif sur les écrans. Merci. Ensuite, nous avons Jean-Marc Alazé. Alors, le plus perspicace d'entre vous, un petit indice au costume, qui fait partie de la brigade de prévention de la délinquance juvénile. Et donc, vous traitez des cas particuliers. En fait, les brigades de prévention de délinquance juvénile en France sont une unité gendarmerie, mais qui n'est pas habilitée. Nous ne faisons pas du tout de judiciaire, nous faisons exclusivement de la prévention. Et pour le département de la Haute-Garonne, nous sommes 6 pour aller prêcher la bonne parole, j'allais dire, auprès des jeunes, évidemment, mais aussi auprès de leurs parents. Et je finis ce tour de table avec Mélissa Couader, coordinatrice Haute-Garonne des promeneurs du net. Mélissa, bonjour. Pouvez-vous nous dire en deux mots en quoi consistent les promeneurs du net ? Alors, les promeneurs du net, c'est un dispositif qui est proposé par la CAF de Haute-Garonne et l'idée, c'est de former des professionnels de la jeunesse à intervenir sur les réseaux sociaux pour les jeunes. Donc, un espace d'écoute qui peut être anonyme et donc, c'est pour ça que je suis présente aujourd'hui, parler surtout de la question du cyberharcèlement. Merci. Alors pour être tout à fait exhaustif dans ce tour de table, donc effectivement, comme l'a rappelé Véronique Calcagno de la Comité municipale de santé, cette table ronde prend place dans le cadre de la semaine d'information sur la santé mentale. Et pour ne rien vous cacher, nous sommes donc ici dans les murs de la médiathèque José Cabanis, c'est un scoop, grâce à Jeanne Lotelier. Alors, l'idée de ce petit moment que nous allons passer ensemble, c'est bien entendu de répondre à toutes vos questions. Donc, c'est vraiment une table ronde. Donc, je vous invite à intervenir. Hein. Nous avons des micros que nous pouvons faire circuler dans le public. Alors, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, il est important, je dirais, de s'entendre sur les termes conflit, cyberharcèlement. Ce sont des notions différentes. Donc, je vais peut-être tout d'abord laisser la place à Mélissa Couader pour une toute petite présentation et après on fera circuler la parole. Voilà, alors ça va être assez court, l'idée c'est vraiment qu'on puisse échanger aussi, mais je trouvais important qu'on fasse vraiment la distinction entre un conflit, un harcèlement et ensuite le cyberharcèlement. Donc l'idée, c'est que le conflit, c'est quelque chose qui est vraiment visible, qui est normal, c'est une confrontation ou un désaccord entre plusieurs personnes. La naissance du conflit, c'est souvent la moquerie sur une caractéristique précise, ça peut être le genre, le handicap, etc. Donc si on veut distinguer avec le harcèlement est souvent invisible, même si les deux sont en lien. Donc, si on veut un peu définir très simplement le harcèlement, il faut trois caractéristiques pour pouvoir dire qu'il s'agit d'un harcèlement. Donc, le côté intentionnel, le côté répété, c'est vraiment important, et le côté asymétrique, c'est-à-dire qu'il y a un rapport de force
entre des protagonistes, donc quelqu'un qui est plus fort et quelqu'un qui est, sous-entendu, la victime et considéré comme plus faible. Ensuite, si on veut distinguer du cyberharcèlement, c'est un harcèlement qui se poursuit sur le numérique. Donc c'est vraiment en lien et c'est souvent cumulatif. Alors, je ne sais pas si vous voyez très bien ce tableau. L'idée, c'était, donc il y en a plusieurs de typologies du cyberharcèlement, c'est qu'on puisse voir qu'il y a différents types de harcèlement qui existent. Donc le harassment, en fait, ce sont des petites attaques qui sont répétées. L'objectif de ce type de cyberharcèlement, c'est vraiment de produire une usure mentale chez la victime. Donc là, on parlait du cyberharcèlement, pardon. Donc le média utilisé, c'est souvent soit les SMS, soit les réseaux sociaux, pour tous ces types-là. Le flaming, c'est vraiment des commentaires injurieux. Donc ce sont des attaques qui sont, elles, considérées comme brutales et répétées. Le sexto, c'est... Encore une fois, quelque chose qui est répété, c'est une attaque. Donc la personne n'est pas forcément d'accord avec ce système-là, mais la personne reçoit des messages à caractère sexuel explicite. Ensuite, nous avons le happy slapping ou vidéo lynchage. Donc là, l'idée, c'est de filmer une agression ou une scène intime sans l'autorisation de la victime et de le diffuser en masse sur les médias, réseaux sociaux. Donc c'est une diffusion qui est très rapide. Et ensuite, le slut shaming, ça, c'est l'idée de faire honte aux filles. Donc là, c'est vraiment de dire la personne pense qu'il y a un comportement, une forme... dominante de la manière dont on peut se présenter en tant que fille, et si la personne ne correspond pas à ces critères-là en termes de normes du groupe dominant, elle peut recevoir des insultes, etc. Donc l'objectif, c'est bien une discrimination sexiste. Voilà. Alors, d'un point de vue juridique, législatif, est-ce que on fait toutes ces distinctions ou est-ce qu'il y a vraiment que une seule ou deux catégories de harcèlement ? En fait, il faut bien comprendre que il y a quand même fort peu longtemps que le harcèlement au sens scolaire du terme a été défini. Jusqu'à présent, c'était une violence. Une violence, certes, intellectuelle, j'allais dire, puisqu'il n'y avait pas de violence physique. Le harcèlement lui-même, il n'y en a qu'un. C'est le harcèlement moral. Et après, il y a effectivement des circonstances qui font que cette infraction est aggravée. Le harcèlement lui-même est prévu par un article du Code pénal. Et ensuite, vous avez dans les circonstances aggravantes le fait que ce soit un mineur, le fait qu'il y ait des diffusions qui soient faites par les réseaux sociaux, qui sont des circonstances qui permettent au magistrat d'aggraver la peine, puisqu'au départ, c'est une peine de 1 an de prison et de 15 000 euros d'amende de mémoire. S'il y a une circonstance de 6 mois de prison et 15 000 euros d'amende, s'il y a deux circonstances aggravantes, imaginons un mineur qui est victime et une diffusion sur un réseau social, peu importe lequel, on passera à 1 an de prison et 15 000 euros d'amende. Et s'il y a trois circonstances aggravantes ou plus, on passera à 3 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Il faut bien donc comprendre que le harcèlement, c'est une seule et unique chose. Ensuite, effectivement, selon la victime et la manière dont ça se passe, il y aura ce genre de choses qui peuvent se passer. Alors, je tiens à préciser tout de suite que le happy slapping est quelque chose qui est devenu extrêmement rare en France. C'est quelque chose qui était né en Angleterre à l'époque, qui a eu, pardonnez-moi l'expression, son petit succès chez nous, mais qui a rapidement été jugulé. Et aujourd'hui, du happy slapping, on n'en a quasiment plus. Alors après, attention, il ne faut pas confondre le happy slapping. Vous parliez tout à l'heure de filmer une scène intime. Il ne faut pas non plus confondre ça avec du bashing ou des sextapes. On n'est pas sur la même chose, étant donné que là, on parle de mineurs. Mélissa, Monique, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur... Eh bien, oui, alors moi, je voulais juste effectivement préciser, ce que vous disiez, c'est tout à fait juste que effectivement le harcèlement scolaire est bien, en tout cas, quelque chose d'important. Il touche et les filles et les garçons, tous les milieux sociaux, que ce soit rural, urbain, voilà, il n'y a pas...
Et il n'y a pas de... Finalement, ça, touche, ça peut toucher tout le monde. Et il y a quelque chose d'important aussi, c'est que finalement, il n'y a pas un harcèlement. Finalement, le harcèlement, il y a un contexte. Et finalement, on va... Enfin, je pense qu'on en revient, on y reviendra après. Mais on va vraiment, quand on va travailler sur le harcèlement avec un enfant, avec le harceleur et le harcelé, on va vraiment aller chercher ce qui se passe pour chacun d'entre eux. Et aller essayer de travailler de façon très fine et précise autour de, voilà, du contexte social, familial, scolaire. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très contextuel. Par rapport au cyberharcèlement, effectivement, et ça c'est vraiment important pour moi, Internet n'est pas la source du harcèlement, mais c'est un outil qui va permettre de faire encore plus souffrir la personne qui est harcelée. Mais ça, enfin, vraiment, c'est quelque chose qui est intéressant à analyser dans, voilà, dans la question du harcèlement. Pourquoi le jeune utilise cet outil? Comment il l'utilise? Sur quel canot? Parce qu'effectivement, on parle des réseaux sociaux, mais ça peut être les jeux vidéo, ça peut être... voilà, on parle de Snapchat, Facebook, Instagram, enfin, tous ces réseaux sociaux. Ça peut être les jeux vidéo. Voilà, il y a plein de choses à dire. On va l'évoquer après. Il y a peut-être des choses qui vont me revenir. Oui, juste deux mots pour rebondir un petit peu. Moi, j'aurais rajouté à la définition l'isolement, parce qu'on parle beaucoup de ça en scolaire, et par rapport à ce qui vient d'être dit, c'est vrai que quand moi je suis sollicitée de ma place de référent départemental, que les familles ont appelé la plateforme nationale le 30-20, ou ont écrit à l'inspectrice d'académie ou au principal, enfin bon, toute source comme ça, le harcèlement, on le qualifie, voilà, il y a du harcèlement moral, du harcèlement verbal, du harcèlement physique et du cyberharcèlement. Enfin, au niveau de la plateforme nationale, c'est les quatre indications. Et je dirais au passage, c'est pas pour vous abreuver de chiffres, mais moi j'ai été interpellée sur 181 situations l'année dernière. Au niveau de l'inspection académique, hein, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a que 181 situations en Haute-Garonne. Il y en a qui sont traitées directement dans les établissements, parce que c'est d'abord là que ça se traite. Mais sur les 181, seulement 10 parlaient de cyberharcèlement. Ce qui nous remonte vraiment, c'est tout le reste... quasiment pas le cyberharcèlement. Moi, ça me... Alors, il y a peut-être des explications. Peut-être une des explications, c'est que quand même, les familles, par rapport au cyberharcèlement, et là, je me tourne vers le collègue, vont plus facilement porter plainte. C'est peut-être plus... connu. Oui, voilà, peut-être plus connu, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, il y a des démarches plus, je pense, vers aller porter plainte par rapport à ça, alors que, voilà, quand on est titillé, embêté, qu'on a des coups sur la tête, des croche-pattes, etc., c'est difficile d'aller en parler. Voilà, et c'est moins tangible, ça se fait un peu en dehors du regard des adultes, c'est plus compliqué à identifier, à qualifier. Voilà, c'est peut-être ça l'explication. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais voilà. Oui, en fait, effectivement, je pense que quand ça arrive sur les réseaux sociaux, c'est le déclencheur, il est que les parents, plus ou moins, selon les endroits, sont très attentifs à ce que font leurs enfants sur Internet. Dans la majeure partie des cas. Je dis bien, ce que je viens de dire n'est pas une vérité fondamentale, puisque malheureusement, on a encore des parents qui laissent leur enfant avec un téléphone portable à 12 ans, avec un accès complet à Internet, sans aucun filtre, rien du tout. On y travaille tous les jours, mais malheureusement, après, la confiance entre parents et enfants, c'est pas nous qui allons nous immiscer. Ce qui arrive, c'est que quand ça arrive au moment où ils sont harcelés sur les réseaux sociaux, que ce soit par SMS ou autre, à un moment ou à un autre, il y a un parent qui va s'en apercevoir. Et dans ces cas-là, effectivement, on n'est plus dans un traitement qui pourrait être fait à l'établissement scolaire. Il ne faut pas confondre un harcèlement et un conflit. Vous l'avez dit tout à l'heure. Moi, j'ai plus tendance à dire qu'il ne faut pas confondre le harcèlement et le chicaya. Le problème dans les cours de récréation, ce qui se passe dans une cour de récréation, ça se règle entre élèves les trois quarts du temps. Quand on est en maternelle et en début de primaire. Après, c'est beaucoup plus compliqué. Là, je vous laisserai faire.
Mais c'est beaucoup plus compliqué à cause des parents, souvent. Parce que bah, les parents s'en mêlent, et etc. Quand ça se passe dans un établissement, qu'il soit par exemple du niveau collège, le chef d'établissement et l'équipe pédagogique sont là, les professeurs sont là, les surveillants sont là, et peu ou prou, ça arrive à se gérer quand les adultes s'en aperçoivent. Parce qu'il ne faut pas croire non plus que c'est visible comme le nez au milieu de la figure. C'est toujours très insidieux, ça se passe dans des endroits où normalement, souvent c'est dans les toilettes que ça commence, hein. Comme ça il n'y a personne qui est là pour vérifier, il n'y a personne qui est là pour voir, et ensuite quand ça arrive, quand ça éclate au grand jour, comme ça a pris énormément d'importance, bah, la seule solution c'est d'aller déposer plainte, parce que ce n'est pas au niveau de l'établissement que ça va se régler, puisqu'on est, on est à l'extérieur de l'établissement, on est dans le virtuel certes, mais on est quand même à l'extérieur de l'établissement, donc la seule solution c'est d'aller déposer plainte au commissariat ou à la gendarmerie. C'est pour ça que ça se voit beaucoup plus. Après je reprendrai juste, si vous me permettez, vous avez donné des chiffres tout à l'heure, je pense qu'il est nécessaire de préciser que c'est ce que les jeunes déclarent. Ce que les jeunes déclarent n'est pas forcément, vous savez, c'est le principe de la température ressentie. Tous les jours à la télé, on nous en abreuve. Aujourd'hui, il va faire 4 degrés, température ressentie, moins 3. J'ai sorti ma parka, ben, j'aurais pas dû. Ben, là, c'est un peu le cas. Il faut faire très attention dans les chiffres. Moi, je suis très, très, très regardant là-dessus. Et d'ailleurs, on le voit, puisque les chiffres que vous avez donnés sont quand même beaucoup moindres que ce qu'on... Il y a le ressenti du harcèlement. Alors, les jeunes qui déclarent avoir été harcelés, ça s'est peut-être passé sur une semaine, et puis ça s'est arrêté parce qu'il y a eu un adulte qui a pris le taureau par les cornes et qui a fait ce qu'il fallait pour que ça s'arrête. Mais la personne a été harcelée pendant une semaine, mais ça peut rentrer dans les chiffres, donc il faut faire très attention là-dessus. Justement, si je peux me permettre un petit sondage, est-ce que vous ou votre entourage avez été victime de cyberharcèlement ? Est-ce que dans la salle, il y a des personnes qui ont, dans leur entourage... De harcèlement, peut-être, déjà. Personne dans l'entourage, enfants, oui, enfants, petits-enfants. Non, mais c'est vrai, je plaisante pas en disant ça. J'ai subi le harcèlement pendant toute ma scolarité. Donc. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, peut-être, pour illustrer, ou c'est peut-être délicat, non ? Non, c'est non. Pas délicat, je prends cet exemple régulièrement. En fait, j'ai beaucoup changé, donc j'ai pris du poids. J'étais beaucoup plus fin, beaucoup plus précieux et beaucoup plus efféminé. Et donc, évidemment, ça passait fort mal auprès de mes petits camarades garçons. Et donc, j'ai eu droit à toutes les velléités du style PD, tapette, etc. J'en passe et des meilleurs. Ça a commencé au CM1, ça s'est fini en sortie de classe de 3e, puisque j'ai quitté l'enseignement... normal, l'enseignement en général pour rentrer dans l'enseignement professionnel. Et là, ça s'est mieux passé. J'ai pris du poids et des points. Si on peut en revenir au cyberharcèlement, enfin, vous étiez embêté uniquement sur votre lieu scolaire. C'est gentil de souligner qu'à mon âge, à mon époque, l'Internet n'existait pas. Je vous en remercie, on réglera ça après. J'ai votre immatriculation de voiture, bien évidemment. Non, évidemment, il n'y avait pas l'Internet. Donc, automatiquement, la seule manière, c'était de m'envoyer une carte postale à l'époque. Donc, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas d'Internet. Donc, ça s'arrêtait quand je quittais l'établissement scolaire. C'était aussi l'avantage à l'époque. Aujourd'hui, ça ne s'arrête pas. Vous quittez l'établissement scolaire, ça continue. Alors, j'ai toujours une fâcheuse tendance à dire que ça continue aussi parce qu'on y prête attention et parce qu'on ne fait pas ce qu'il faut pour couper la source. Parce qu'une fois qu'on ne regarde plus son téléphone portable, on n'a plus cette notion d'être harcelé, même à l'extérieur. Oui, mais enfin, je me posais la question. J'espère que quelqu'un veut intervenir ou... Non, je me posais la question justement. Finalement, si on parle des jeunes, ils ont besoin d'un espace de liberté. Cet espace de liberté, il a eu tendance un peu à rétrécir quand même avec le danger que représentent les villes. Et finalement, ils prennent cet espace de liberté dans la vie numérique. Donc, c'est difficile de couper. Oui, c'est difficile quand on est adulte. Quand on est enfant, c'est un peu moins compliqué. La liberté, c'est une chose. Alors, il est clair que les études récentes montrent qu'on a enlevé 93%, oui, 93% de la liberté de nos enfants à l'âge de 10 ans par rapport à il y a 30 ans, pour des raisons qui sont souvent des raisons ressenties et non pas des raisons réelles. Mais malgré tout, c'est aussi
Alors nous, on travaille avec les familles d'accueil du conseil départemental et d'autres associations, qui sont des familles qui accueillent en permanence des enfants qui ont été placés, soit par la justice, soit par l'aide sociale à l'enfance. Cette difficulté, ils l'ont, parce que en fait, le dernier contact qu'ils ont avec leur famille, souvent, c'est le téléphone ou l'internet. Y a des solutions, hein. Il existe le filtrage du Wi-Fi pour éviter de l'avoir. Il existe aussi le fait de ne pas avoir forcément la 4G sur son téléphone. Ce n'est pas une obligation à 12 ans, hein, ou à 13 ans, ou à 14 ans. Même si, effectivement, c'est un espace de liberté, mais l'espace de liberté, il peut être trouvé ailleurs. Et c'est facile à mettre en place, là, ces solutions ? Enlever la 4G, enlever le Wi-Fi ? Oui, bien sûr. Et là, pour le coup... Je me tournerai vers les promeneurs du net, ils doivent en savoir plus que moi là-dessus. Mais tous les opérateurs ont la possibilité, chaque opérateur a la possibilité de calibrer sa box pour pouvoir ouvrir le Wi-Fi de telle heure à telle heure, pour tel ou tel ordinateur, pour tel ou tel téléphone, etc. Merci. Alors, pour passer au profil, justement, oui, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, je souhaiterais un peu réintervenir sur ce que vous disiez. Alors, il y avait deux choses. La notion de liberté par rapport au numérique, c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure avec M. Alazé. La notion de la liberté, finalement, par rapport au numérique, en fait, c'est une éducation. Vous savez, il y a des mutations profondes de la société. Vous avez peut-être déjà entendu parler des générations X, génération Y, génération Z. Génération X, celles qui sont nées de 56, je crois, dans les années 56-60 jusqu'en 82, je crois. Ensuite, les générations Y, 82 jusqu'à 2000. Et génération Z, un petit peu après. Et après, il y a génération alpha et les dernières, là. L'idée, c'est qu'effectivement, il y a aussi, au niveau, justement, des mutations sociétales, des regards différents sur le numérique. Les générations Y vont avoir un accompagnement un peu plus soutenu, on va dire, par rapport aux écrans, puisque eux-mêmes ont pu être confrontés à des situations difficiles et vont aller spontanément accompagner autrement leurs enfants. Les générations X, moins sensibilisées ou en tout cas justement plus soucieuses de transmettre à leurs enfants cette grande liberté, va moins contrôler. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément le même regard. Moi, ce que j'observe par rapport au numérique, c'est qu'effectivement, je ne suis pas trop inquiète sur les futures générations, puisque quand on demande à des ados s'ils laisseront aller leurs enfants sur Internet, ils nous disent tous « oui, mais par contre, je contrôlerai ». Et c'est vrai que finalement, c'est quelque chose qui s'apprivoise, et c'est une éducation. C'est un peu au même. Alors moi, j'aime bien faire le lien avec l'éducation alimentaire, finalement. C'est on y va à petite dose. On commence, par exemple, on fait la diversification alimentaire à 4 mois pour un bébé. Et ben, un écran, on ne va pas le proposer avant 2 ans et demi, 3 ans. Alors après, je ne vais pas faire un cours, mais... Il y a les écrans passifs et les écrans actifs. Alors les écrans actifs, ça va être plutôt les tablettes où on va pouvoir échanger, être en interaction. Et après, il y a les écrans passifs, c'est YouTube, c'est les dessins animés. Donc il y a la règle du 3-6-9-12 de Serge Tisseron qui est assez connue. Enfin, je pense que ça, c'est vraiment un repère extraordinaire. Dans la pratique, effectivement, pas proposer d'écran à un enfant de 3 ans, c'est quand même pas toujours évident. Mais effectivement, essayer d'être un peu vigilant par rapport à ça. Et après, à partir de 3 ans, proposer un peu d'écran jusqu'à 6 ans. Et puis à 6 ans, pourquoi pas commencer à jouer à la console avec lui. Et puis à 9 ans, on commence à le sensibiliser à Internet avec des règles de base. Alors moi, j'y reviendrai un peu après, j'ai plein de choses à dire. Mais voilà, il y a 3 règles de base sur Internet. C'est que Internet, c'est un lieu public. Tout ce qu'on y met, c'est visible et... visible par tous et conservé à vie, effectivement. J'avais noté aussi ça y reste éternellement, et surtout éveiller les enfants à développer leur esprit critique. Tout ce qu'on trouve sur Internet, c'est pas forcément vrai. Je suis sûre que vos enfants, vos petits-enfants vous disent « Ah, papa, maman, j'ai vu ça à la télé, c'est trop bien, vraiment, je veux le prendre ». Mais c'est pas parce qu'on l'a vu à la télé que c'est bien et que c'est forcément quelque chose qui va être utile, qui va nous permettre de développer un peu qui l'on est, de mieux se connaître. Enfin, ça, c'est vraiment important.
Et je reviens aussi sur ce que vous disiez, la question du harcèlement. Vous avez bien noté qu'effectivement, il y avait, pour moi en tout cas, du harcèlement au premier degré, enfin, donc primaire, on va dire, CE2, CM1, CM2. Je n'ai pas l'impression, je n'observe pas forcément du harcèlement avant le CE2, CM1. Enfin, là, pour le coup, c'est peut-être, plus, c'est peut-être un peu... Principalement, effectivement, on va dire le 10, 12, 13 ans. Hein, voilà. Et après, 6e, 5e, c'est là qu'on a les plus forts taux. Alors, après, il y en a en lycée aussi un peu. Voilà. Il peut y en avoir exceptionnellement plus tôt, mais c'est vraiment... Et donc, pour faire écho à ça, finalement, la parole, enfin, en tout cas en entretien clinique, la parole des familles, elle est extrêmement riche. Puisque personne ne connaît mieux ses enfants que les familles. Et c'est vrai que quand on observe la question, enfin en tout cas quand on aborde la question du conflit ou du harcèlement, on travaille aussi la représentation des familles par rapport à ça. Et ce que vous disiez, c'est vraiment, enfin moi j'ai trouvé ça extraordinaire, c'est finalement questionner aussi notre histoire, nous quel est notre regard par rapport à nos relations avec les autres. Et surtout on est aussi dans une société connectée, où finalement, on voit bien que tout marche par le réseau. Le réseau social, LinkedIn, via des mots, je ne sais pas si c'est encore, mais LinkedIn en tout cas. Voilà. Et effectivement, les mutations sociétales font que le numérique est au cœur de nos vies, les relations sociales sont au cœur de nos vies, et les parents... Justement, alors on va parler un peu des parents d'Olto, justement, depuis l'arrivée de la contraception, on est parent parce qu'on décide d'être parent, du coup il y a une injonction de réussite. Et donc à travers cette injonction de réussite, il faut que nos enfants aient des bonnes relations sociales, il faut qu'ils soient performants, et cette injonction, elle peut un peu mettre la pression aux enfants, et les relations sociales, elles peuvent être un peu maladroites. Et c'est vrai que, enfin, on y reviendra sans doute tout à l'heure, mais je crois que c'est important de, quand il y a une situation de harcèlement, d'essayer de, même si on a très envie, même si on est très bienveillant, de pas se positionner entre l'enfant et entre les situations. Voilà, j'ai plein de choses. Merci. Est-ce que vous... Non. Alors, Mélissa, justement, j'aimerais revenir sur votre diapositive. Je vois en pied de page quatre grandes conséquences sur. Donc, c'est les signes, les symptômes qui permettent de repérer finalement les personnes qui sont victimes de cyberharcèlement. Est-ce que vous pouvez développer un peu ces. Oui, alors j'ai juste mis quatre grandes conséquences. Hein. Il y en a beaucoup plus et on pourrait un peu en parler davantage. Ça peut être des signes. Après, ouais, c'est ça. L'absentéisme et le décrochage est une conséquence, ou en tout cas peut être un indicateur fort, ou au moins quelque chose sur lequel on peut se questionner. Ensuite, vous avez tout ce qui est trouble de l'humeur et du comportement. Donc voilà, ça va aussi avec tout ce qui est isolement. Et après, pour aller un peu plus loin, on a tout ce qui est aussi pensée et acte suicidaire. Voilà. Par rapport justement, oui, je vous laisse la parole. Par rapport justement, j'imagine à la croissance de l'enfant, l'adolescence, c'est une période compliquée. Comment parfois, on pourrait l'assimiler à des symptômes de l'adolescence. C'est parfois difficile de faire la nuance. Oui, nous à l'Éducation nationale, donc les personnels, infirmiers, assistantes sociales, mais bon, tous les autres personnels qui sont en contact avec les enfants, on travaille effectivement sur tous ces indicateurs. Alors l'absentéisme, c'est une des grosses thématiques à l'Éducation nationale. Tous les absentéistes ne sont pas harcelés, hein, c'est-à-dire, mais par contre, tous ces indicateurs, alors des motivations, alors un enfant qui était plutôt jovial, etc., on le voit, qui s'isole, et qui est, voilà. Donc tous ces indicateurs, en fait, on y fait attention, mais derrière, alors ça peut être le harcèlement, ça peut être un gros problème familial, ça peut être une maladie, enfin bon, voilà. Donc effectivement, c'est des clignotants pour nous, et c'est ce qui fait qu'on va aller vers l'enfant, vers la famille, en disant...
on voit bien qu'il y a un problème, surtout quand il y a, alors s'il n'y en a qu'un indicateur, bon, ça peut être passager, voilà, mais quand on commence à cumuler un peu d'absentéisme, un peu les notes qui baissent, et puis je passe à l'infirmerie 4 fois par semaine, et etc., etc., donc tout ça mis bout à bout, on voit bien qu'un enfant est en difficulté, qu'il ne va pas bien. Et effectivement, on cherche derrière qu'est-ce qu'il y a, on essaie d'évaluer. Donc, effectivement, je ne peux pas dire que ce n'est pas une conséquence, ça en fait partie, il y en a plein d'autres, pour plein de sujets différents. Quoi. Dans les 140 cas donc, de cyberharcèlement, vous avez évoqué, c'est harcèlement ? 181 situations. Est-ce que c'est la victime qui a directement saisi, voilà, en a parlé à son entourage, ou est-ce que ce sont des proches de la victime qui ont fait remonter l'information ? Alors, je vais mordre sur ma présentation, mais alors, parce qu'il y a deux choses. Voilà, c'est qu'à l'Éducation nationale, moi, le message que je veux faire passer aujourd'hui, c'est que quand un enfant est victime de harcèlement, c'est d'abord dans l'établissement que ça doit se résoudre. C'est-à-dire, si votre enfant vient vous dire j'ai un souci à ce niveau-là, c'est on prend en contact avec le chef d'établissement, ou on prend en contact avec le directeur d'école, et c'est d'abord là qu'il faut résoudre les choses. Après, tout ne se règle pas là, puisque soit parce qu'on n'est pas satisfait, soit parce que voilà, pour des tas de raisons. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on va appeler le 3020, la plateforme nationale, ou qu'on va écrire à l'inspection académique, et que donc ces situations-là vont m'arriver. Et dans ces situations-là, bon, c'est forcément les familles qui interpellent. Alors là, comme ça, je ne peux pas vous dire sur les 181 situations, mais souvent, c'est quand même l'enfant, à un moment donné, qui dans la famille craque, et la famille vient vers l'établissement pour dire les choses, ou alors c'est un camarade voilà, qui est dans une situation, qui dit, voilà, moi, je connais quelqu'un, il ne va pas bien. Après, il y a des enfants qui viennent le dire aussi directement. Je ne peux pas vous donner les proportions là, sur les 180. Franchement, je n'ai pas établi ça, mais... Peut-être aussi au niveau du cyberharcèlement, on a peut-être une sorte de fantasme aussi. Donc il faut être vigilant, mais pas non plus donner trop d'importance, entre guillemets. Nous, des retours des promeneurs du net. Donc au niveau, les promeneurs du net existent au niveau national. Et on sait, par rapport aux chiffres des évaluations, qu'il y a au moins une demande par semaine qui est faite sur la question du cyberharcèlement à un promeneur du net. Nous, pour l'instant, sur le département, sachant que le dispositif est assez jeune, on n'a que quelques retours. Et en effet, les retours qu'on a, ce ne sont pas pour l'instant des jeunes, mais ce sont des parents qui s'inquiètent, notamment sur des phénomènes. Voilà, ils ont vu à la télé la question du Momo Challenge, par exemple, et une mère va contacter un promeneur du net. Je crois que ma fille est harcelée par le Momo Challenge. Peut-être que vous pouvez en dire deux mots. Mon sujet de prédilection, la presse. Le Momo Challenge, si on prend celui-là, hein, mais il y en a eu avant, il y a eu la Blue Whale Challenge, il y a eu la Ligue du LOL, il y a eu... le problème, c'est que ce type d'événements qui ne sont pas franco-français viennent de l'étranger, et le moment où ils arrivent en France, c'est quasiment à 99,9% au moment où la presse en a parlé. Avant, on n'en a pas. C'est basique comme raisonnement, mais malheureusement, c'est la stricte vérité. Le problème du Momo Challenge, c'est que la peur n'évite pas le danger, et la précaution ne veut pas dire qu'il faut être terrorisé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où BFM TV a parlé du Momo Challenge, je cite sciemment BFM TV, ça a été repris par d'autres chaînes nationales qui probablement étaient en manque d'activité à ce moment-là. Il ne se passait rien en Syrie, j'imagine. Et donc du coup on se retrouve dans une situation où ils en parlent, ils expliquent, et à la limite ils donnent même l'adresse mail, comme ça au moins on est tranquille, tout le monde va y aller. Et évidemment qu'il y a des gens qui vont aller voir, notamment des jeunes qui vont aller voir ce que c'est que ce Momo Challenge, et en plus ça crée une psychose auprès des parents qui n'ont vraiment pas besoin de ça, avec tout ce qu'on imagine qui peut se passer sur internet.
Je vais reprendre un exemple qui n'est que d'habitude je ne reprends pas parce qu'il y a des élèves, des enfants dans la classe, des jeunes dans la salle, mais là je vois que nous avons que des parents. La pédophilie, par exemple. Si on prend le cas de la pédophilie, quand vous discutez avec des parents qui ont des jeunes enfants de 5, 6, 7, 8 ans qui commencent à aller à l'école tout seuls, quelle est votre principale crainte ? J'ai peur qu'ils se fassent enlever par un pédophile. Enfin, aujourd'hui en France, se faire enlever par un pédophile, c'est un peu comme, c'est vraiment, faut le vouloir, quoi, en gros. Parce qu'aujourd'hui, un pédophile, qu'est-ce qu'il fait ? Il chasse sur Internet. Il a à sa disposition des catalogues entiers. Et quand je dis des catalogues, je suis loin du compte. C'est carrément des encyclopédies de photos d'enfants nus. Et ça lui suffit. Quand on a un acte de pédophilie avec un enlèvement, nous, le premier réflexe, c'est de chercher dans le milieu familial, hein, c'est rarement ailleurs. Pour le Momo Challenge, c'est un peu la même chose. Le Momo Challenge, il y a peu de chances que ça arrive à votre enfant. Après, si je rejoins tout à fait ce que vous disiez tout à l'heure, on est plus sur la recherche de ce qui se passe à l'intérieur de la famille. Il y a un autre problème que celui du harcèlement, il y a un autre problème que la recherche. Voilà, il y a un problème qui est lié à la conception qu'a l'enfant de ce qu'il peut faire ou ne pas faire. Donc, je ne sais pas si on peut appeler ça de l'éducation, mais vous le disiez tout à l'heure, un accompagnement à l'informatique et à l'Internet qui est nécessaire. Maintenant, les plaintes aujourd'hui, les gens qui sont venus pour déposer plainte pour du Momo Challenge, c'est zéro. En France, les statistiques, c'est zéro. J'aime pas les chiffres. Mais malgré tout, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu une ou deux tentatives, hein, on est bien d'accord. Mais les parents étaient suffisamment présents et suffisamment, conscients pour que ça s'arrête tout de suite. Après, je reprendrai juste pour revenir au cyberharcèlement. Est-ce que peut-être pouvez-vous définir ce que c'est le Momo Challenge ? Parce oui, pardon. Que je ne sais pas ce que... Alors, le Momo Challenge, excusez-moi. Oui, bah, c'est vrai que à force d'en parler, j'ai l'impression que tout le monde connaît. C'est horrible. En fait, le Momo Challenge, c'est tout simplement, vous recevez une première épreuve à faire. Alors, ça va être du principe d'envoyer un mail à un professeur, un mail insultant à un professeur. Ensuite, petit à petit, ça va monter. Ça va être de se mettre en danger soi-même jusqu'à arriver à se suicider. En fait, les épreuves qui sont faites pour mettre en place un système qui détruit petit à petit, je parle sous le contrôle de la psychologue, pour détruire petit à petit la confiance en soi du jeune ou de la personne, en l'occurrence, parce qu'on a eu des adultes hein, qui se sont mis là-dedans. Petit à petit, la confiance en soi est détruite. Petit à petit, on se sent inutile. Petit à petit, on se sent rejeté. Et petit à petit, on se dit qu'après tout... quand on envoie le mail à la personne, elle vous répond, de toute façon, tu n'as plus qu'une chose à faire, c'est de jeter d'un pont. Et en Russie, il y a trois jeunes filles qui se sont effectivement suicidées. Voilà. Donc ça, c'est le Momo Challenge. Mais c'est le principe du Blue Whale Challenge qui, à l'époque, était également de la même veine. Hein. Et le Momo Challenge ayant disparu depuis quelque temps au niveau de ses créateurs là-bas, Ukraine... En fait, on a un problème majeur aujourd'hui qui est d'ailleurs connu hein, de tout le monde puisque les élections américaines en ont fait l'apanage, j'allais dire. Hongrie, Ukraine, enfin toute la partie jusqu'en Russie où on a de jeunes hackers qui s'amusent à ce genre de choses pour créer le buzz et pour essayer de se faire connaître. Voilà. Non, alors c'était effectivement, c'est ce qu'avait été dit par les médias que oui, vous avez raison, il y a eu un suicide, mais il n'était pas du tout lié au Momo Challenge. En fait, lors de la constatation du suicide, il y a eu une enquête qui a été faite par la police nationale, puisque c'était en zone police nationale, et effectivement, ils se sont aperçus qu'il y avait eu des contacts avec le Momo Challenge au début. Il y avait eu mais il y a eu des recherches faites sur cette histoire de Momo Challenge. Et au départ, la famille a mis en avant le fait que c'était à cause de ça, etc. Et en fait, l'enquête a abouti il y avait d'autres soucis que je ne détaillerai pas ici, mais il y avait d'autres soucis qui, en fait, ont fait que la jeune fille s'est suicidée. Mais ce n'était pas du tout en lien avec le Momo Challenge. Et c'est vrai que l'information du fait que c'était
avait, en lien avec le Momo Challenge, est passé, les gens l'ont vu, mais l'information comme quoi ça n'avait aucun lien, ça, ça est passé totalement inaperçu. Mais c'est un peu logique. Quand vous êtes sur Facebook, je prends Facebook, je ne jette pas l'eau pauvre sur Facebook, loin de là, mais quand vous êtes sur Facebook, que vous recevez quelque chose, une information, cette information, si elle vous va bien, vous la gardez. Le pire, c'est que vous ne la vérifiez pas et vous la renvoyez. Alors qu'aujourd'hui, l'actualité fait qu'énormément de choses passent sur Internet, sur Facebook notamment. Il suffit de prendre la photo, de vérifier sur Google si elle a déjà été vue, et on s'aperçoit que les photos des manifestants, c'est des photos de manifestants qui ont été prises en Hongrie, en Turquie, etc. Et pas du tout en France. Juste rapidement revenir sur ce que disait Mélissa, voilà, par rapport au finalement comment identifier un mal-être. Moi je vais faire en deux temps, finalement, enfin rapidement, hein, vraiment sur le harcelé, mais aussi sur le harceleur. Est-ce que finalement on peut identifier Les profils types. Hein. Alors, je sais pas si c'est un. Alors, c'est vrai que le profil type, je suis pas hyper. Enfin voilà. Ouais, on n'est pas hyper. Vous n'êtes pas profileuse. Alors, vous avez vu, on a tous fait. En fait, ce serait dangereux, je pense, de cloisonner vraiment. C'est ce que je vous disais, c'est hyper contextuel. Par contre, ce qui est certain, c'est que. Pour le harceler, vraiment pour compléter ce que disait Mélissa, parce que je ne veux pas être trop redondante, mais voilà, repli sur soi, ça va être des maux de ventre, des maux de tête, des enfants qui le dimanche soir, juste avant la reprise, vont somatiser, enfin vraiment dire ça ne va pas, ou il va y avoir des vomissements aussi, un peu inexpliqués, sans autre cause, sans gastro, sans indigestion. La difficulté de concentration aussi pour compléter, mais bon, voilà, ça va un peu. Oui, voilà, mais c'était vraiment tout à fait des pleurs incontrôlés aussi le soir avant de se coucher. Les troubles du sommeil. Il y a plein de choses à identifier, les troubles de l'alimentation, de l'agressivité. Après, j'avais noté les scarifications. Vous savez, c'est quand c'est des ados qui vont, garçons et filles, hein, qui vont se faire du mal. La dévalorisation dont vous parliez aussi, qui est liée. Enfin, voilà, je suis nulle. La baisse des résultats scolaires. Après, ce que j'ai noté aussi, c'est des cauchemars chez les plus jeunes, justement, en premier degré. Des enfants qui vont se remettre à faire des cauchemars ou alors des enfants qui vont se remettre à faire pipi au lit aussi. Alors, vous allez me dire, comment on sait que ça, c'est du harcèlement ? Clairement, on va pas identifier un problème... on va pas diagnostiquer le problème au regard de ce qui se passe pour l'enfant, mais simplement, c'est un signe d'alerte. Et c'est vrai que les familles, les parents connaissent mieux leurs enfants que personne. Enfin, que finalement, que les professionnels ou que... Et vraiment, le repérage précoce par la famille est fondamental, puisque justement, en lien, vraiment en co-construction avec l'enseignement, avec l'institution scolaire, là, on peut vraiment identifier des choses et accompagner l'enfant vers un mieux-être. Et par rapport au harceleur, ce qui me paraît important d'identifier, c'est effectivement, l'enfant ne va pas vous dire « oui, j'embête les autres », mais par contre, vous allez, en tant que parent ou grand-parent ou professionnel, pouvoir voir une attitude plus agressive de cet enfant par rapport aux autres, une vision positive de ce type de comportement par cet enfant, qui va valoriser tout ce qui est agressivité, violence, une faible empathie aussi, ça ce sera peut-être une réflexion, la question, ce sont des enfants qui manquent un peu d'empathie, qui ne vont pas forcément se mettre à la place des autres, il a très peu de réflexivité, il ne va pas reconnaître l'impact de ses actes, sur les autres. Et après, par rapport à tout ce qui est en ligne, il va utiliser des nombreux comptes, d'autres comptes en ligne. Et ça, c'était vraiment... c'était pour compléter ce que disait Mélissa. Et par rapport aux harceleurs, donc c'est les mêmes types... Là, c'est les symptômes du harcelé. Le harcelé, c'était vraiment beaucoup de somatisation. Le harceleur, ça va être plus dans le comportement. Enfin, voilà, moi, c'est mon... profil de la victime, enfin, ou du harcelé, est-ce qu'on peut se dire le Momo Challenge ou autre chose, finalement, il va y tomber dans le piège plus facilement un certain profil ou de certaines personnalités. Puisque là, vous venez de décrire les personnalités ou les traits de personnalité de harceleur. Est-ce qu'on pourrait faire la même chose avec les victimes ? Ou est-ce que tout un chacun peut être harcelé ?
Voilà, c'était ma question. Oui, enfin, moi je pense que tout un chacun peut être harcelé parce que c'est aussi une période. Et nous, ce qu'on constate aussi à l'éducation nationale, c'est qu'il y a une perméabilité, c'est-à-dire que à un moment, pendant une période, il va y avoir cette victime-là, et qui, pour alors soit parce que les témoins vont se rallier, et donc du coup, elle va se sentir à nouveau peut-être plus forte, et donc devenir elle-même peut-être l'agresseur de l'agresseur précédent. Il y a une perméabilité. C'est pour ça qu'on n'est pas trop pour les étiquettes et nous on essaie de pas dire voilà il y a le harceleur, le harcelé et les témoins parce que tout ça c'est très variable selon le moment, ça peut changer même sur une période de 6 mois. Un peut être à une place à un moment donné ou à une autre place à un autre moment. Alors, je ne sais pas, moi, je ne suis pas psychologue, mais en tout cas, quelqu'un qui est harcelé à un moment donné, ou la famille, ou parce qu'il va aller voir un professionnel, les adultes vont essayer de revaloriser son estime de lui-même, l'armée, entre guillemets, pour qu'il réagisse, qu'il soit... et du coup, certains, eh bien, ils reprennent du poil de la bête, et du coup, ils peuvent à leur tour être dans une autre position. C'est pour ça on privilégie évidemment sans nier qu'à un moment donné, il y en a un qui fait du mal et que l'autre est victime à un moment donné. Bien sûr, il faut le prendre en considération, mais après, nous, ce qu'on essaie de travailler, c'est d'abord les émotions. On travaille beaucoup là-dessus quand on fait de la médiation ou quand on reçoit les enfants. C'est savoir ce qui se passe, hein, autant ce que ressent la victime en général, il sait le dire, qu'il est triste ou on arrive à le voir, mais le harceleur, qu'est-ce qu'il ressent au moment où il roule des mécaniques comme ça et pourquoi il fait ça? Donc on essaie de décortiquer tout ça pour faire tomber un peu tous ces schémas et parce qu'il y a une explication, c'est-à-dire que c'est pas une justification mais il y a une explication. Toi je t'aime pas parce que t'es trop gros, parce que tu pues, parce que t'as les cheveux rouges, parce que voilà, c'est parce que t'es le premier de la classe, alors t'es le chouchou du prof, donc je t'aime pas. C'est sa raison. C'est sûrement pas une bonne raison, mais en tout cas, c'est bien qu'il puisse le dire parce qu'au moins on sait de quoi ça part et c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille parce que on peut pas se contenter. Alors il y a la sanction peut rentrer en ligne de compte à un moment donné, bien entendu, mais pas que parce que d'abord les sanctions, il faut qu'elles soient comprises. Si elles sont pas comprises, ça servira à rien et puis il ira recommencer sur un autre ou voilà. Donc tout ça, ça demande de la pédagogie, de l'éducatif. On est aussi sur l'éducation à l'éducation nationale. c'est intéressant ce que vous dites. Finalement, c'est la personne qui est harcelée, et si elle a l'occasion, j'imagine, de trouver une personne qui peut prendre sa place de harceler, elle n'hésitera pas à devenir harceleur finalement. Oui, parce que j'avais rajouté la notion d'isolement tout à l'heure, mais parfois les harceleurs, peut-être plus facilement à un moment donné, mais les harcelés aussi trouvent des alliés, heureusement. Hein, d'ailleurs, c'est eux qui viennent aussi prévenir des choses. Voilà. Donc, le travail de groupe qui s'opère, individuellement, on connaît les enfants, mais bon, dès qu'ils sont en groupe, ça fait une autre mixture et il peut se passer quelque chose de je réagis et donc pas toujours forcément aussi dans le bon sens, mais on ne peut pas empêcher la réaction, elle est comme ça, en tout cas, c'est un sursaut et du coup, on peut passer dans une autre position. Voilà. Ou de même, ce qui est, parfois on n'arrive pas à faire, c'est justement de sortir la victime de son statut de victime. Moi, ça, c'est quelque chose qui nous questionne beaucoup, tous les professionnels, parce que je connais des situations où je pense qu'on a tout fait.
Mais quand je dis tout fait, c'est-à-dire il y a eu de la bienveillance du chef d'établissement, enfin de tous les personnels qui ont reçu, les familles, les enfants qui ont fait de l'action collective dans la classe. Tout ce qu'on pouvait faire a été fait, mais il n'empêche que soit l'enfant, soit la famille, parfois, reste positionné sur cette situation de victime. Ça c'est questionnant, c'est problématique, parce que après chez nous, après ça se concrétise, qu'est-ce qu'on fait, parce que moi je veux changer d'établissement et je veux aller ailleurs. On pense qu'on est en situation d'échec là-dessus, parce que on pense qu'on avait fait ce qu'il fallait faire. Et le changement d'établissement, c'est pas la solution, mais ça peut en être une à un moment donné. Est-ce qu'à ce stade de la discussion, donc nous avons vu les grandes définitions, les symptômes, est-ce que vous avez des questions ? Non, je vous laisse ça. Oui, je voudrais continuer ce que vous disiez. Du coup, c'est qu'effectivement. On peut pas, il n'y a pas forcément de profil type, puisque finalement la question du harcèlement, elle pose la question, elle interroge la vie psychique du harcelé, la vie psychique du harceleur, le lien intersubjectif entre les deux, la question du lien aussi intersubjectif entre la famille et l'institution, les professionnels et la famille. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas cloisonné et qui va questionner chaque intervenant finalement dans cette dynamique, quoi. C'est ça c'était important. Quelque chose qui m'interroge, comment on reste victime. Mais je me dis que parfois, il arrive aussi qu'il y ait des transmissions dans les familles de victimes. En fait, on est une famille de victimes pour X raisons, et on le transmet, mais sans vouloir le transmettre. Et on le transmet, et ça se continue, etc. Pour faire écho à ce que vous dites, justement, alors pas forcément parler de la victime, mais ça va prendre sens. Finalement, quand je dis aux familles en entretien, par exemple, de questionner leur représentation aussi sur les relations sociales par rapport aux enfants, par exemple, une maman qui va dire à son enfant de 7-8 ans, tiens, comment ça se passe avec les copains ? Inconsciemment, elle lui dit, est-ce que tes relations sociales sont bonnes ? Est-ce que ça se passe bien ? Donc, inconsciemment, elle lui transmet l'idée qu'il faut que ça se passe bien et qu'il n'a pas trop de choix, quoi. Donc, c'est vrai que questionner aussi nos représentations sur puis notre histoire, est-ce qu'on a été harcelé ? Est-ce qu'on a été harceleur aussi en tant que, quand on était enfant ? Ou est-ce qu'on a été aussi témoin, peut-être, de ces situations ? Ça questionne vraiment aussi notre la transmission. Voilà. Tout à fait. Je crois qu'il faut bien saisir une chose, c'est que il y a ce besoin d'appartenance à un groupe. Il existe chez les plus jeunes, il existe aussi chez les personnes adultes et matures. Ce besoin d'appartenir à un groupe, il peut passer par énormément de choses. Il peut passer par une domination. J'ai aucune confiance en moi, d'un seul coup j'en trouve un qui est beaucoup plus faible. Le fait de le dominer fait que j'ai une place dans le groupe et que du coup on me reconnaît comme étant un leader. C'est inconscient certes, mais malgré tout ça en fait partie. Il y a aussi ce phénomène de meute, parce qu'on ne va pas se mentir, c'est un phénomène de meute. Il y en a un qui est harcelé, oups, c'est pas moi, coup de bol, je vais continuer avec les autres, comme ça je suis tranquille à ce niveau-là. Il y a tous ces espèces d'épiphénomènes qui font qu'à l'arrivée, celui qui est harcelé, il attend qu'une chose, c'est qu'il y en ait un autre qui arrive, un petit sixième qui arrive et qu'on puisse harceler. Et on va essayer de diffuser l'information que lui, il est quand même vachement plus facile à harceler que moi. Et moi, je m'en sors. Il y a aussi ça. Il faut pas oublier que ce besoin d'appartenir à un groupe, ce besoin d'être reconnu, il peut faire n'importe quoi à n'importe qui. Et après, je rejoins votre analyse sur le fait qu'il y a aussi cette sensation d'être victime qui peut être transmise inconsciemment par les parents, et ce sentiment de dire « mais ça ne se passe pas bien avec mes copains, si je le dis à ma mère, qu'est-ce qui va se passer ?» Est-ce que je suis normal ? Est-ce que je ne suis pas trop différent ? Est-ce que je n'ai pas le dernier vêtement à la mode ? Il me faut les baskets, sinon je ne fais pas partie du groupe. « Ah, toi, tu n'as pas tes baskets, t'es nul, t'es une famille de pauvres. »
on l'entend régulièrement. Donc, c'est simple d'un point de vue judiciaire. Il y a du harcèlement, le gamin, il a fait ça, ok, puni, on n'en parle plus. Sauf que ce n'est pas aussi simple. Ça serait aussi simple, ce serait merveilleux. Le problème, c'est que derrière, il y a toute cette... Ce sentiment, même quand c'est terminé, que tout a été réglé, que l'établissement a fait des pieds et des mains pour que ça se passe bien, qu'on a pris des mesures pour que le gamin change de classe, qu'il soit surveillé un peu plus, qu'on soit bienveillant avec lui, même là, eh ben, il peut arriver que malheureusement, cette victimisation, elle continue, et elle continue, et elle continue. Et là, malheureusement, l'établissement ne pourra pas faire grand-chose, on passera la main directement. Alors, j'aurais juste souhaité, avant de vous laisser la parole, que l'on revienne un peu sur la différence encore entre le cyberharcèlement et le harcèlement. Qu'est-ce qu'a rajouté, si je puis m'exprimer comme ça, la partie cyber? Nous avons déjà parlé effectivement de la continuité, que c'est quelque chose qui peut continuer en dehors du temps scolaire. Il y a peut-être d'autres effets qui sont liés à cette partie cyber. Oui, alors bah, du coup, je vais rebondir. Alors, on en parlait donc justement, la différence cyberharcèlement, harcèlement, c'est bah, finalement l'anonymat, c'est ce que disait M. Alazet. Et je rajouterais aussi, par rapport au numérique, les enjeux, c'est que c'est une décharge émotionnelle aussi. Enfin, ça vous est déjà peut-être arrivé d'envoyer un mail ou un texto un peu rapidement parce que vous étiez en colère, parce que vous étiez triste, parce que, voilà, il y a une décharge émotionnelle et c'est vrai que quand je parle d'éducation aux écrans, c'est aussi identifier ce qui se passe en nous en tant qu'adultes, pourquoi on réagit de telle ou telle façon. Alors, on parlait tout à l'heure des fake news, de Momo Challenge, en fait, des vidéos sur Facebook, sur Insta, sur Snap, ou de BFM TV, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que c'est de l'émotionnel. Ces vidéos, elles font appel à l'émotionnel, et en fait, il y a une décharge émotionnelle qui intervient comme réponse. Donc, pour moi, le harcèlement, il y a la question de l'anonymat, enfin, le cyberharcèlement, il y a la question de l'anonymat. Vu qu'on est protégé par un écran, il y a la question de je décharge quelque chose d'émotionnel qui va me libérer. Et puis, effectivement, j'ai l'impression d'être un peu protégée. Et juste pour rebondir sur ce que vous disiez, tout à l'heure, vous disiez, qu'est-ce qui va faire que je peux parler? Pourquoi est-ce que je peux parler à mes parents si je vais pas bien? J'ai plein d'ados, des enfants qui me disent, moi, je veux pas, j'ai peur de parler à papa et maman. Alors bon, là, sans parler du harcèlement, mais ça fait écho finalement. C'est par exemple des enfants qui sont tombés sur des images pornographiques, qui sont violentes pour eux parce que ça leur, justement émotionnellement, ça leur renvoie des choses difficiles. Certains n'osent pas en parler parce qu'ils vont se dire, je vais me faire disputer par mes parents, ils vont plus vouloir que j'aille sur Internet. Alors que finalement, la question du harcèlement, elle se pose aussi pour moi dans la prévention en amont, se dire, s'autoriser à dire à ses enfants, tu vas sur Internet, tu peux voir des choses violentes, tu peux voir de la pornographie, tu peux voir des agressions, tu peux voir des cadavres, enfin des choses dramatiques. Ça arrive, c'est pas de ta faute, viens nous en parler. Et s'il y a des copains qui se font insulter, tu peux réagir. Bon, là, on verra après s'il y a des moyens de signalement. Mais ça, vraiment, autoriser l'enfant à venir vous voir en disant, écoute, il s'est passé quelque chose qui t'a bouleversé, qui t'a gêné, qui t'a mis mal à l'aise. Ok, viens m'en parler. Et ça dédramatise un peu la situation déjà aussi. Parce que l'enfant peut, s'il n'en parle pas, ça va se cristalliser et figer un peu plus les choses. Nous, on a l'habitude de dire que la meilleure des préventions, c'est la discussion avec son enfant. Ça, c'est la première des préventions. Il n'y a pas besoin d'avoir un contrôle parental pour que votre enfant fasse quelque chose sur Internet. Déjà, si vous commencez à lui parler, c'est ce qui vient d'être dit, je ne veux pas être redondant, mais voilà, on commence à parler avec lui de ce qui va se passer, de ce qu'il risque d'avoir, et de la manière dont il peut le chercher, et de la manière dont il peut en parler avec ses parents, on a déjà gagné déjà pas mal de choses. Ça, c'est premièrement. Ensuite, nous, on explique souvent aux parents et aux grands-parents, s'il y a sur les jeux vidéo, parce que là, pour le coup, je vais juste faire un petit décrochage sur la violence, mais c'est pas innocent de ma part parce que il y a certains jeux où le harcèlement fait partie inhérente du jeu. Y a le système PEGI qui a été mis en place, qui est le système de protection des enfants avec les à partir autorisé mais déconseillé avant tel âge,
C'est un conseil, c'est pas une obligation, on est d'accord. Malgré tout, si ça, ça a été mis en place, c'est qu'il y a une raison. Donc, si votre fils de 10 ans ou votre petit-fils de 10 ans veut avoir Call of Duty, bah, tournez la jaquette, hein, vous vous apercevrez que c'est interdit, enfin que c'est déconseillé avant 18 ans. Il y a une raison. Il y a une raison. Et c'est parce qu'on dit, oui, il faut expliquer aux enfants, mais il faut aussi expliquer aux parents, parce que des fois, les parents, malheureusement, ne font pas ce qu'il faut, mais pas par méchanceté, c'est par méconnaissance, tout simplement. Hein. Le système PEGI, nous, on en parle à des parents, on voit à peu près 50 000 personnes sur une année scolaire, dont 12 000 parents. Sur 12 000 parents, si j'en ai 4 ou 5 qui connaissent le système PEGI, c'est le bout du monde. Hein. Donc c'est ce qui est affolant d'ailleurs, parce que ça devrait être normalement quelque chose de régulier. Et je reviens sur ce qui a été dit au début, vous avez des fois des enfants qui disent non mais ça mon père, mais je lui demande pas, parce que de toute façon normalement il devrait me dire non, parce que ça c'est le genre de site où je dois pas aller. Et quand vous en discutez avec les parents, ils vous disent ouais bon c'est pas bien grave quand même. Ben oui, mais le problème c'est que si on va pas voir ce qui s'y passe, on peut pas savoir. C'est toujours le problème. C'est pour ça que je reviens aux jeux vidéo. Les jeux vidéo, c'est, ben, si ça ne vous plaît pas, il faut quand même jouer avec, essayer. Ben, c'est pas mal, hein, je suis témoin, c'est pas mal. Ben, moi, je voudrais juste dire, c'est pas, alors, les jeux vidéo, quand ils sont très violents, c'est vrai, déjà en tant que parent, on peut avoir une idée, mais quand il s'agit d'applications type Musical.ly, je crois qu'il a été condamné il y a cela quelques années. Alors, Musical.ly, c'est les enfants peuvent enregistrer leur danse sur des musiques, donc ils se filment et ils diffusent tout ça sur Internet. Et ça a été condamné, je crois, pour les enfants de moins de 13 ans, où toutes leurs vidéos étaient passées en privé. Mais ça, en tant que parent, c'est très difficile de savoir. Mais pourquoi, après tout, elles ne pourraient pas... Je vais poser une question. À quel âge peut-on aller en prison en France ? 13 ans. Tout le monde est d'accord ? C'est 13 ans. À partir de 13 ans, on peut aller en prison. On peut être condamné à une peine de prison. Et je ne parle pas d'une maison de correction. Elles ont été abolies en 1955. Donc ça n'existe plus. Je parle bien de prison. De la même manière, un enfant de 13 ans peut être condamné à une peine d'amende. Et c'est lui qui payera, pas les parents. Il faut bien que ce soit dans toutes les têtes. Ça. Les jeunes ne sont pas vraiment au courant qu'à partir de 13 ans, on peut aller en prison. Et les parents, alors encore moins. Ça, c'est même pas, ils l'imaginent. C'est impossible. Et si je dis 13 ans, c'est pour une raison toute simple. Facebook est interdit au moins de 13 ans. J'ai dit interdit, hein. J'ai pas dit déconseillé, j'ai dit interdit. C'est tout simplement parce que la responsabilité pénale du mineur commence à 13 ans. Donc à 13 ans, quand je vais harceler mon petit camarade sur Facebook, s'il y a un dépôt de plainte et que ça fait plusieurs années que ça dure et que ce n'est pas la première fois, ben le passage par la case prison, il est possible. Sauf que quand on passe par la case prison, même avec du sursis, à 13 ans, on a un casier judiciaire. Et un casier judiciaire, ça interdit d'exercer plus de 186 métiers, dont enseignant, dont médecin, dont gendarme, policier, huissier, avocat, j'en passe et des meilleurs, tout ce qui est en rapport avec l'enfance, notamment, donc ATSEM, c'est pas possible. Et puis entre deux personnes qui se présentent, c'est malheureux, mais entre deux personnes qui se présentent pour un poste de caissier ou caissière chez Carrefour, alors je vais citer trois marques, Lidl et Leader Price, pour comme ça je fais pas de publicité, deux personnes qui se présentent, une avec un casier judiciaire et l'autre non, ben, je ne suis pas persuadé que la personne avec le casier judiciaire elle aura la place. C'est triste, mais c'est comme ça. Nous commençons à parler des dispositifs de prévention. Donc, effectivement, la meilleure prévention est sans doute le dialogue. Pour autant, il existe des dispositifs de prévention et de remédiation institutionnelle. Oui, oui, institutionnelle. C'est-à-dire, alors, nous, à l'Éducation nationale, au-delà du traitement individuel, on va dire, hein, du quotidien, bien sûr qu'on essaie d'être dans la prévention. On essaie de... Alors, soit c'est... Effectivement, il y a des actions d'information, mais on va de plus en plus sur la formation aussi, et la formation des adultes, mais des jeunes aussi. Voilà, donc ça c'est important, c'est un peu pour les rendre un peu plus acteurs un peu des choses. Donc c'est vrai qu'il y a tout ce qu'on appelle la formation des pairs, parce que effectivement, si on forme les élèves, les délégués, mais pas seulement les délégués,
eux vont pouvoir, à un moment donné, dans la cour de récré, être sensibilisés à ce qui se passe entre deux élèves. Voilà, comme on en discutait en aparté tout à l'heure. Dans l'éducation, ce qui prime, c'est la confiance entre l'adulte et l'enfant, donc entre les parents et son enfant, mais aussi entre les enseignants et les enfants. Donc ça veut dire que aussi, ça il faut l'admettre, même si c'est un peu provocateur ce que je vais dire, mais aussi dans les établissements scolaires, bien entendu, il y a des espaces qui sont, alors c'est pas hors contrôle des adultes, hein, mais tous les déplacements et les faits et gestes des enfants, à certains moments, ils échappent aux adultes. Et heureusement, je vais dire, hein, parce que quand même, on est dans un pays de liberté. Et de toute façon, plus on contraint, plus on interdit. Alors, on ne va pas aller derrière ce bâtiment parce qu'on ne peut pas mettre un surveillant, donc il va falloir rester là. Et on va, vous voyez, parce que tout ça, c'est questionné régulièrement, mais bon, on ne peut pas mettre un surveillant derrière chaque enfant. Donc, forcément, mais comme dans la vie courante, enfin, chez vous, quand l'enfant va dans le jardin, vous n'êtes pas forcément tout le temps dans le jardin avec lui. Il a un espace où il va pouvoir faire des trucs que peut-être il ne ferait pas en votre présence. Voilà, donc il y a ça, ça existe, et donc les situations de harcèlement, effectivement, elles peuvent se dérouler pendant ces temps où il n'y a pas de vigilance de la part des adultes. Alors, enfin, où ils peuvent pas voir, c'est pas qu'il manque de vigilance ou tout ça, mais parce que voilà, on parlait des toilettes tout à l'heure, tous les surveillants n'accompagnent pas les enfants aux toilettes, au collège, etc. Heureusement, hein. Voilà. Donc il se passe des choses, et donc les enfants, par contre, eux, ils circulent d'un couloir à l'autre, d'une salle à l'autre, du self à la cour, etc. Et eux voient beaucoup plus de choses, et donc ils peuvent être justement acteur de « tiens, j'ai remarqué qu'il se passait ça, alors je vais pouvoir intervenir ». Donc on les forme un peu à être dans cette médiation par les pairs, c'est eux qui vont pouvoir intervenir sur un conflit entre les élèves, etc. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas les adultes non plus derrière, hein. Si les choses s'aggravent ou si l'enfant voit qu'il ne peut plus faire quoi que ce soit, bien sûr il va chercher l'adulte et l'adulte est présent. Mais on fait ça. On forme aussi, je voulais vous parler de alors la méthode Picasse, du nom de Monsieur Picasse, P-I-K-A-S. Elle date des années 70, hein, cette méthode. Mais c'est pas de la prévention, là, c'est de la... C'est de la formation, mais c'est de la prévention aussi, parce que on est à la fois sur oui, on peut traiter des petites situations d'insultes, des choses qui sont pas encore qui sont de l'ordre du conflit ou de j'embête l'autre dans la cour. On n'est pas forcément dans une situation de harcèlement, et donc on essaie de former les adultes à cette méthode Picasse essentiellement, c'est-à-dire que un enfant qui va venir nous dire j'ai remarqué qu'il y en a un, il se fait toujours embêter là à 10h, et donc cette méthode c'est tout le contraire de peut-être nos méthodes habituelles, parce que quand un enfant vient dire je suis harcelé, alors on reçoit le harceleur, on lui demande qu'est-ce qui se passe, etc. Voyons, mais bon, à des moments, c'est encore... Moi, je n'ai pas une méthode fétiche, hein, d'accord ? C'est-à-dire que selon les situations, on peut utiliser l'une ou l'autre. Et la méthode Picasse, c'est... les adultes, d'abord, ce sont des petits entretiens, 5-10 minutes, où on va, en fait, proposer aux enfants qui sont susceptibles d'être... plutôt ceux qui sont, alors, on ne va pas dire les harceleurs, parce qu'on n'est pas encore dans cette situation-là, mais ceux qui embêtent, ceux qui titillent, ceux qui ne sont pas très gentils quoi, avec les autres. Donc, on va les recevoir 5-10 minutes en lui disant, mais tiens, moi, je suis préoccupée parce que j'ai vu Vincent, là, il est tout seul dans la cour, et j'ai vu que tu as l'air de le connaître, tu es autour, là, qu'est-ce que tu peux m'en dire, tout ça, qu'est-ce que tu en penses toi, de cette situation. Donc, ça va amener les enfants à dire il est pas très drôle, alors c'est vrai qu'on le charrie, et vous faites comment, ils expliquent tout ça, et
Et alors, qu'est-ce que tu en penses? Tu crois qu'il y a, des choses... Ah ouais, c'est vrai que ce n'est pas très sympa. Donc, je vais en parler au copain, on va voir, on va essayer d'aller lui parler. Voyez, donc, c'est de les amener, en fait, à trouver leur propre solution. C'est-à-dire, ce n'est pas l'adulte qui dit, ben ouais, mais ce n'est pas bien ce que tu fais. Donc, tu vas arrêter ça, tu vas aller lui parler, tu vas t'excuser, tu vas lui demander pardon, tu vas... Voilà. De ce qu'on peut avoir comme discours parfois comme ça au quotidien. Du coup, ça va amener les enfants eux-mêmes à trouver des choses et à modifier les choses. Et bien sûr, on voit aussi, dans cette méthode, on parle pas de victime, on parle de cible. On voit aussi cet enfant-là, mais plus à la fin. Donc cet enfant nous dit aussi ce qu'il ressent, etc. Et puis, on va faire ces petits entretiens jusqu'à ce qu'il y ait une solution qui soit trouvée par les enfants. Et ce qui fait que même en cours de solution, en cours de travail, on va dire, la cible peut nous dire, oh là là, mais dis donc, depuis 15 jours, c'est super, parce qu'ils reviennent vers moi, on discute, vous savez, on peut arrêter, là, parce que là, je crois que c'est fini, voilà. Et donc, du coup, c'est pas l'adulte qui aura pondu une solution, mais c'est les enfants qui auront trouvé, voilà. Donc, on essaie de former, là, les enfants. Bon, hier, j'étais encore dans un collège. Alors, il faut dire aussi qu'il y a... une équipe mobile de sécurité aussi au rectorat et donc qui intervient dans les départements, et on fait de la formation avec eux, hein, donc des adultes et des enfants. On a remis donc depuis l'année dernière, on forme des ambassadeurs harcèlement au lycée, là on a commencé au collège cette année. Voilà, on parle un petit peu de ce dont on a parlé aujourd'hui, les définitions, de comment ça se passe, qui prévenir, voilà, pour les mobiliser là-dessus. Et puis on les fait travailler sur quel pourrait être, tiens, qu'est-ce que vous pourriez monter comme projet. Hier, on a travaillé avec des délégués de 6e et de 4e. Donc ils ont eu un peu d'apport théorique, ensuite ils ont rempli un questionnaire, puis on leur a remis un document où il fallait qu'ils imaginent un projet, quelque chose qu'ils allaient pouvoir mettre en place dans l'établissement, des affiches, des slogans, d'interpeller les plus petits pour leur parler du harcèlement, voilà. Donc on essaie d'être dans la prévention et dans la formation. Oui. Oui, alors là, c'était un peu tous azimuts. Hein, je vous ai mis... parce que vous avez compris, j'espère, dans mon message, que c'est d'abord dans l'établissement qu'il faut résoudre la situation. Bien sûr, si on n'y arrive pas, on arrive au référent départemental. Donc, je vous ai mis... voilà, mon nom, c'est Madame Darrault. Moi, je suis référente donc, départementale pour le secondaire. Et une assistante sociale de mon équipe, Madame Thibert, va être référente pour le premier degré. Mais bon, nous, on est là, on va donner des conseils. Hein, on ne refuse pas vos coups de téléphone ou parce que vous allez saisir la plateforme nationale le 30-20. Quand vous saisissez le 30-20, moi, j'ai un petit appel sur ma boîte mail qui me dit d'aller sur la plateforme. Il y a une fiche que je vais éditer parce que vous avez appelé le 30-20. Donc, va être noté sur cette fiche que vous sollicitez de l'aide par rapport à votre enfant parce qu'il est harcelé de telle et telle manière. Et donc, le rôle du référent départemental, c'est d'appeler tout de suite la famille, de faire un point de ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. Et deuxièmement, ça c'est un protocole, hein. Deuxièmement, j'appelle le chef d'établissement ou directeur d'école pour la collègue. Et donc, on a la vision et de la famille et de l'établissement scolaire. Et là, bien sûr, on essaie d'aider, de proposer, de voir ce qui a été fait ou pas fait et de pouvoir avancer. C'est vrai que quand ça arrive par la plateforme ou par des courriers, c'est que parfois, il y a eu de l'incompréhension. Hein. Je ne dis pas que tout est beau et tout rose dans tous les établissements scolaires. Et ça, c'est la vie. Hein. Je veux dire, on travaille là sur de l'humain, sur du relationnel. Donc, évidemment, il y a forcément des ratés. Voilà. Mais moi, c'est ça mon travail, hein, de référente. Voilà. Et après, je vous ai mis le numéro vert spécifiquement par rapport au cyberharcèlement.
Et puis après, vous avez un site, enfin, vous allez sur le site du gouvernement, vous mettez non harcèlement, vous allez avoir un tas d'informations, d'outils, voilà. Et chaque année, c'est vrai que dans, en prévention aussi, il y a un concours non harcèlement, donc beaucoup de classes participent à ce concours, font des affiches ou des petites vidéos qui ensuite effectivement sont mises justement sur le site du gouvernement, qui sont réutilisées par les équipes d'établissement ou autres. Donc ça incite aussi à travailler là-dessus. Et on a la journée au mois de novembre. C'est vrai que chaque année, c'est la journée harcèlement. Donc, certains établissements banalisent la journée ou une demi-journée sur des actions de sensibilisation à l'intérieur de l'établissement. Voilà. Merci. Alors, nous arrivons dans la... Oui, justement. C'est... Là, on est sur les enfants, mais j'avais une question parce qu'elle est un peu bête, peut-être, mais le cyberharcèlement sur les adultes, je ne sais pas. C'est quelque chose qui m'interroge, là, tout à coup. L'avantage du cyberharcèlement, c'est qu'il n'a pas de sexe et il n'a pas d'âge. Non, bien sûr, le cyberharcèlement entre adultes existe. Le harcèlement qui existait à l'époque, enfin, qui existe toujours, hein, je ne dis pas à l'époque, le harcèlement qui existe, que ce soit dans le milieu professionnel ou dans le milieu familial, existe aussi sur les réseaux sociaux. Le développement d'Internet, de toute façon, on a l'habitude de dire que le problème, on est un peu comme les informaticiens, le problème, il est entre la chaise et le clavier. Hein. Il est souvent là, le problème. Il n'est pas ailleurs. Ce qui vous a été dit tout à l'heure, c'est que le fait d'être derrière un écran, c'est le fait d'être derrière un bouclier. On ne risque pas de prendre la première gifle. Et c'est vrai que moi, le premier... Hein, il y a des fois où la colère me vient et je fais un mail, je le laisse sur l'ordinateur, je laisse la nuit passer dessus et je le relis le lendemain. Et quand je le relis, je me dis, mais t'as écrit ça ? Je suis quelqu'un d'assez pondéré habituellement, mais il y a des fois où je sors de mes gonds. Bah, si je l'avais envoyé tout de suite, mais c'est sûr que la personne en question ne serait plus ni mon ami ni mon collègue. C'est évident. Donc voilà, et c'est naturel, j'allais dire, parce que on est face à une page blanche, sauf que cette page blanche, on n'est pas obligé de la plier, de le mettre dans une enveloppe, de mettre un timbre, ce qui nécessite 3 actions, et pour un homme, 3 actions en même temps, c'est très compliqué. J'avais vu le sourire bien avant que je prononce cette phrase. Et donc, du coup, ça permet de réfléchir. Là, non. On clique, c'est parti. Sauf que le coup est parti. Et malheureusement, on se retrouve dans une situation qui peut être bien pire que si c'était un simple courrier. Alors, moi, j'avais une question par rapport à Madame Darrault. Là, il y a des actions de prévention dans ce que vous avez. Mais est-ce qu'on peut imaginer, ou est-ce que ça se fait déjà, de la prévention, mais très, très, très précoce, en fait Oui. Oui, bien sûr, parce que là, on se cible sur le cyberharcèlement, mais les actions de prévention à l'éducation nationale, c'est dès la maternelle. Alors, sur les journées, justement, non au harcèlement, je suis allée dans des écoles, et à la maternelle ou en primaire. Alors, on ne va pas travailler sur le harcèlement comme ça en tant que tel, mais il y a tout un travail sur les relations garçon-fille, sur l'éducation affective et sexuelle, c'est dans les programmes et puis c'est dans la volonté quand même des équipes depuis tout jeune. Mais bon, toutes les relations garçons-filles, tous ces problèmes d'incivilité, tout ça, le travail sur les émotions, on parlait de ça aussi tout à l'heure. Donc ça, c'est des choses qui sont travaillées avec les enfants. L'empathie, voilà, comment je peux me comporter avec l'autre. On parle de, vous savez, les compétences psychosociales, tout ça c'est développé. Moi, je fais partie, comme mon collègue, je prends ça parce qu'on est complètement, on va dire, à l'extrême, mais où on nous questionne aussi sur la prévention là-dessus. Vous savez que maintenant, il y a été mis en place des parcours de sortie de la prostitution. Vous voyez, je vous parle de choses de... Voilà, et on nous demande à l'éducation nationale qu'est-ce qu'on fait par rapport à ces questions. Bon, ben, là, c'est ça, c'est la prévention, c'est les relations garçon-fille, la vie affective et sexuelle. Voilà, toutes ces actions, on nomme pas le harcèlement, la protection de l'enfance ou des choses comme ça dès 3 ans, mais n'empêche qu'on parle de tout ça.
avec les enfants. Et puis les enfants, ils sont très... voilà, moi j'étais dans une école l'année dernière, là, enfin, au mois de novembre, là, ils jouent des petites scénettes, un peu, bon, c'était pas un théâtre forum, mais c'était aussi des, les enseignants avaient mis en place des choses comme ça et se dit beaucoup de choses sur voilà, une situation sur 10 minutes, on peut faire passer des messages. J'ai vu dans des écoles des affiches, effectivement, sur toutes les émotions, ce que c'était. Donc il y a un vrai travail là-dessus. Hein. Voilà, et puis, alors, à l'éducation nationale, parce qu'il y a des personnels formés, les infirmières, comme je vous disais, les assistantes sociales, les enseignants, etc. Mais bon, on travaille aussi beaucoup avec les partenaires. Hein. Je veux dire, voilà, on se voit sur dans de nombreuses institutions. C'est encore perfectible, hein, parce que justement, on dit qu'à l'éducation nationale, et peut-être il se fait pas assez de choses, ou on a du mal à y rentrer. Alors moi, j'ai pas du tout cette vision. Je trouve qu'on rentre beaucoup à l'éducation nationale. Il y a beaucoup d'associations, beaucoup d'intervenants, et que la Haute-Garonne étant un gros département, parfois on a du mal à voilà, ça peut être redondant dans certains établissements. Alors l'EMS peut aller faire un truc sur le harcèlement, et puis nos collègues y vont, ou nous, vous voyez, bon, des fois ça manque de coordination parce qu'il y en a beaucoup, mais je pense qu'il se fait vraiment, enfin c'est pas je pense, il se fait beaucoup de choses. Tout est perfectible, hein, voilà. Pour compléter rapidement, excusez-moi. La première chose, c'est qu'effectivement, moi, donc, je suis en libéral et je soutiens vraiment ce que vous dites, parce que donc, je travaille avec les enfants, les ados, et vraiment, il y a une volonté de l'éducation nationale de soutenir les familles, d'accompagner les familles vers... pour développer vraiment tout le potentiel des enfants. Enfin, en tout cas, moi, je le ressens énormément ici en Haute-Garonne. Et donc, pour rebondir sur votre question par rapport à la prévention en amont et sur la question de l'empathie, c'est vrai qu'avant l'école même, les outils numériques, justement, sont formidables. Et vous avez une application qui est vraiment sympa pour les petits, c'est Tom le chat. Je ne sais pas si vous connaissez. En fait, le chat, en mimétisme, en fait, il va réagir, il va en miroir, va refaire vraiment nos mimiques. Et ça, c'est génial pour travailler les émotions, la colère, la tristesse, la peur, la surprise. Enfin, c'est vraiment, pour les petits, justement, à partir de 2 ans et demi, 3 ans, c'est formidable. Voilà. Et alors, excusez-moi, j'ai à penser qu'il... Mais par rapport au droit à l'image, parce que du coup, dans la question du cyberharcèlement, enfin, voilà, ça me paraît important, mais en fait, la prévention, vous pouvez la commencer très tôt. Un petit de 2 ans, vous lui demandez si vous êtes d'accord pour le prendre en photo, il est tout à fait capable de vous dire non. Donc à ce moment-là, vous lui dites « Ok, ton image, tu n'as pas envie que voilà, elle t'appartienne, donc je ne te prends pas en photo. » Et finalement, avec les gestes que vous, en tant que parent, grand-parent, vous allez lui transmettre, il va comprendre que oui, son image, elle lui appartient. Et que s'il n'a pas envie qu'un copain le prenne en photo au collège ou en primaire, et bah, voilà, vous pouvez transmettre ça. Et c'est pareil, la question du droit à l'image, vous allez bientôt en septembre remplir même peut-être les inscriptions pour les enfants. Il y a la question du droit à l'image, vous pouvez demander à l'enfant, parce que des fois en tant que parent on dit bon, bah, oui je suis d'accord, mais est-ce que lui il est d'accord? Et ça sensibilise, ça responsabilise un peu. Juste pour rebondir justement sur ces questions d'éducation nationale qui ne sont pas fermées, je suis d'accord avec vous, ça fait... Moi je travaille en association, j'interviens auprès de 90 ou 100 collèges au niveau de la région cette année encore. Enfin on arrive aussi à vraiment coopérer, c'est aussi quelque chose qui est neuf, il faut aussi se rendre compte de ça. La question des écrans, elle vient vraiment sur le devant de la scène depuis très peu d'années, ça arrive très vite et les gens ne sont pas forcément formés. On essaye tous de se rencontrer, plusieurs autour de la table on s'est déjà vu, et d'apporter de la force les uns et les autres ensemble, c'est pas toujours facile non plus. Sur ce que vous disiez sur les 13 ans, il y a aussi autre chose, sur les réseaux sociaux, c'est aussi la loi de la récolte des données qui est une loi américaine. En fait, c'est surtout celle-ci qui fait que tous les réseaux sociaux, puisqu'ils dépendent surtout de la loi américaine, obligent en fait d'avoir 13 ans. Ce qui n'a aucune importance puisqu'on peut s'inscrire en ayant 10 ans. C'est juste qu'on nous dit vous avez bien 13 ans, mais oui, c'est aussi ça. Je ne savais pas par contre. Ça marche aussi pour 18 ans. Oui, ça marche aussi pour 18 ans, pour d'autres choses. Et ce que je voulais dire aussi, que je trouve assez intéressant, ce que vous disiez sur cette notion de public, on a l'impression, quand on est sur Internet, qu'on est dans la sphère privée. C'est aussi très important, en fait, dans les cadres de la prévention, d'expliquer en fait les plateformes qu'on utilise et comment elles fonctionnent. Je crois que c'est vraiment aussi un des leviers d'action très important, c'est d'une meilleure compréhension, que ce soit les parents, que ce soit les ados, que ce soit les enfants, de quel outil on utilise, comment ça fonctionne,
comment on se fait cibler, etc., pour une conscientisation. Et nous, on s'est rendu compte, en fait, avec les ados, par rapport au travail de terrain qu'on peut mener, que c'est vraiment un levier qui fonctionne avec les jeunes, de comprendre, attends, en fait, quand je suis sur Snapchat, comment on récolte ma donnée, ma photo, elle n'est pas privée. Et ça a été, en fait, toute la... C'est comme ça que Snapchat et Instagram ont supplanté Facebook pour les jeunes, parce qu'on avait l'impression de rester toujours dans la sphère du privé. Alors qu'en fait, c'est exactement le même fonctionnement. Et c'est vraiment des leviers d'action sur la prévention aussi, de comprendre les outils qu'on utilise. Et voilà. Oui, effectivement, vous avez raison de le préciser. J'ai pas été au bout de mon raisonnement tout à l'heure sur Facebook et les 13 ans. C'est la loi américaine, effectivement, qui les régit. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même si c'était autorisé à 10 ans, il ne serait condamné qu'à partir de 13 ans. Mon rapport, il était là surtout. Le fait que ce soit la loi américaine qui les régisse, ça, c'est évidemment, j'aurais dû le préciser. Merci. Alors, nous arrivons au mot de la fin. Je vous laisse. Je pars encore sur la question de la prévention. Je pense que ce qui est important dans ce qu'on a dit, c'est le côté de l'écoute et de la responsabilisation. Vous parliez aussi de la formation des professionnels. Donc, je rebondis pour vous parler un peu des promeneurs du net. Donc l'idée, c'est qu'on est 50 professionnels actuellement sur la Haute-Garonne. Ce sont des professionnels qui ont été formés à intervenir via les réseaux sociaux, notamment Messenger, Instagram et Snapchat. Ils ont aussi une conscience et une veille éducative à faire sur les réseaux. Donc ça peut être aussi un dispositif qui peut faire de la prévention. L'objectif principal, c'est réellement l'écoute et le lien de confiance avec les jeunes via ces réseaux-là. Et on peut aussi faire de la prévention dans le cadre scolaire notamment, sur tout ce qui est le droit à l'image notamment, avec des outils comme l'outil Déclic, où vous avez des images et on donne la possibilité aux jeunes de se poser la question, voilà, sur cette image-là, est-ce que je publie, je publie pas, je publie mais je prends des précautions, je publie pas parce que c'est illégal ou parce que ce n'est pas éthique, etc. Ou des outils, on parlait tout à l'heure des fake news, qui permettent de voir aussi leur esprit critique et comment ils décryptent l'information avec des outils qui sont vraiment ludiques sous forme de catalogue numérique, en fait, où ils se positionnent, voilà, ce tweet, est-ce que j'aurais partagé ou non, est-ce que la formation me semble vraisemblable ou pas, et ensuite je vais vérifier cette vidéo sur Internet si, en effet, c'est quelque chose qui me semble vrai ou qui me semble faux. Ça permet aussi de voir comment ils peuvent investir aussi Internet et les réseaux sociaux. Sachant que cette question-là des fake news, on la voit... Ils ont quand même cette conscience-là et je n'ai pas envie qu'on reste aujourd'hui sur quelque chose de négatif. C'est aussi un outil merveilleux et on peut aussi, dans le cadre des promeneurs du net, aussi faire des jeux vidéo avec les jeunes, leur montrer comment on crée un jeu vidéo, comment on peut également faire de la web radio, vérifier de l'information. Et c'est vraiment sur ça que je voudrais aussi insister. Il y a le côté aussi positif qu'on n'a pas forcément abordé aujourd'hui. Oui, une dernière question. On est bon. Oui. Je reviens sur... je pense que d'autres personnes ici peuvent dire la même chose. Travaillant avec pas mal d'acteurs de terrain et donc qui font écho avec ce qui se passe auprès des familles, la difficulté souvent, c'est les parents qui aujourd'hui sont un peu, alors, soit démunis, soit ne savent pas comment dire non à leurs enfants, soit, enfin, voyez, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui fait que ils sont là face à des enfants qui demandent un écran ou quoi que ce soit, et peu importe l'âge, parce que très tôt, ils confient un écran à leurs enfants, et notamment les tout-petits, les moins de 3 ans, par exemple, voyez, sur lesquels les messages ont du mal à passer. Et on voit pareil par les ados, ils ne savent pas comment dire non, empêcher, ou c'est pas le mot empêcher, je vais trop loin, mais faire en sorte que leur ado ne soit pas collé, n'est-ce pas, à leur téléphone, parce qu'ils vont vers une crise, et la crise, ils ne savent pas la gérer derrière, après. Donc, est-ce que vous avez, vous, des réponses à ça, par rapport à ces parents-là? Enfin, moi, c'est vrai que mon regard est peut-être un peu biaisé parce que je reçois justement en libéral les familles qui ont besoin d'aide et qui sont là et qui sont... Enfin, j'ai un regard un peu différent. Je pense que les familles, elles ont effectivement besoin d'outils, en fait. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure
avec Jean-Marc, c'est la question de la désacralisation aussi. Enfin, je crois qu'il y a un lien avec votre question, c'est qui est lié au harcèlement aussi avec les enfants, c'est que en CE2, CM1, CM2, collège, lycée, les enfants, les ados peuvent se dire j'ai pas besoin d'aide, je peux m'en sortir tout seul et je suis pas fou, je vais pas aller voir le psy. Enfin, il y a peut-être aussi des représentations, voilà, qui doivent se transmettre, voilà, de façon intergénérationnelle. Donc accepter de demander de l'aide. Voilà, et puis après, moi j'ai une idée, mais je ne sais pas si ce serait possible, mais c'est vrai que la prévention, en tout cas, quand par exemple en école maternelle, il y a des rentrées en petite section pour les familles, peut-être sensibiliser les familles aux écrans, voilà, les applications positives, ou qu'est-ce qu'on peut proposer aux enfants? Alors justement, sur le site Eduscol, qui est vraiment formidable, il y a tous les programmes scolaires et donc tous les outils numériques qu'on peut utiliser. Enfin, si on cherche un peu, on a vraiment plein de leviers, de points d'appui pour soutenir le numérique, soutenir tous les projets scolaires. Enfin, il y a les projets d'école. Vraiment, il y a effectivement, je pense que les familles ont peut-être besoin d'être informées un peu plus, qu'on leur transmette des informations plus régulièrement peut-être, enfin, ça c'est mon ressenti, mais en tout cas j'ai quand même l'impression que les familles elles ont besoin d'outils pratiques, voilà, vraiment, enfin voilà, j'étais mon... Oui, on fait beaucoup de choses effectivement par rapport aux enfants, parce que c'est notre public dédié toute la journée devant nous, mais il y a quand même, effectivement, je pense que l'école est quand même assez ouverte aussi aux familles, alors peut-être pas assez, voilà, parce que des échanges comme ça sur le harcèlement, le cyberharcèlement ou d'autres thèmes, ça se fait, hein, le soir, les établissements, ils essaient quand même aussi de... Oui, les fédérations de parents d'élèves nous sollicitent. Voilà. Je pense que, parce que c'est pas que sur ces outils-là, mais il y a de l'aide aussi, parce que tout bêtement, hein, ça c'est ma déformation professionnelle d'assistante sociale, mais avec la dématérialisation aussi des demandes de bourse, des demandes de ci, des demandes de là, il y a souvent à la rentrée des temps aussi qui sont dédiés, où on accueille les parents pour les aider justement sur l'ordinateur à faire toutes ces démarches, parce que tout le monde n'est pas outillé forcément à la maison, ou voilà, les enfants sont eux très ils sont dedans, hein, ils ont leurs outils à eux, mais des parents pas du tout, donc l'école fait ça aussi, hein, même si c'est pas quelque chose de très éducatif tout de suite, mais c'est le besoin, hein, ça fait partie, donc on intervient aussi là-dessus. L'aide à la parentalité, ça fait partie aussi de nos missions, donc on essaie de pallier à ça, mais encore une fois tout petit mot de la fin, alors. Juste moi un dernier mot optimiste aussi quand même, il y a des enquêtes de climat scolaire qui se font tous les deux ans, donc les résultats de 2017, quand même, c'est un chiffre, bien sûr, mais et c'est pas pour balayer tout ce qu'on a dit et les problématiques qui existent, mais 94,1% des collégiens disent se sentir très bien dans leur établissement scolaire. Voilà, hein, je veux dire, tous les adolescents ne sont pas en difficulté. Voilà. Donc ça, c'est important de. Alors attention, il faut terminer sur un mot positif. Hein. Là, on était sur un mot positif, il faut rester sur. Non, juste pour dire que effectivement, on parle de harcèlement, de cyberharcèlement. On a parlé beaucoup du scolaire, mais il n'y a pas que le scolaire. Il y a aussi dans le club de sport, etc. Et pour rebondir sur ce qui vient d'être dit et pour être totalement positif, faut pas oublier une chose, c'est que certes, dans l'éducation nationale, avec les chefs d'établissement, les fédérations de parents d'élèves, il y a des soirées qui sont faites pour les parents, principalement, on va dire sur deux grands thèmes, ça va être les conduites addictives, le risque numérique et le harcèlement. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi tous les contrats locaux de sécurité et de prévention de la délinquance qui mettent en place des soirées pour les parents. Il y a les municipalités, preuve en est. Il y a le conseil départemental qui fait aussi beaucoup de soirées pour les parents. Il y a un accompagnement à la parentalité sur la Haute-Garonne
qui, et je précise bien sur la Haute-Garonne, puisque je suis en contact avec tous les commandants de brigade de prévention délinquance juvénile de France, on a eu encore une réunion récemment, quand moi je leur annonce ce qu'on fait à destination des parents en Haute-Garonne, ils me disent, mais nous on en est à 2,5 milliards de kilomètres. Il n'y a pas autant de choses qui sont faites ailleurs que ce qui est fait en Haute-Garonne. Il faut vraiment en être conscient. C'était très positif. Donc, merci à tous. Merci à vous. Peut-être pour ceux qui souhaitent continuer cette discussion en aparté par certains de nos intervenants qui n'ont pas leur voiture garée au parking payant, peuvent continuer cette discussion. Donc j'en profite simplement pour vous annoncer que la semaine de la santé mentale à l'ère du numérique continue. Il y a encore plein de rencontres. Et pour ceux qui souhaitent passer qui peuvent passer leur après-midi à la médiathèque, il y a encore une rencontre ce soir à 18h30. Voilà. Merci. Bonne fin de journée.